Je pense avoir intrigué pas mal de gens avec l'idée de mettre un corps à une intelligence artificielle. Parce que là, mon code Python, il est en train de créer une intelligence artificielle qui gère ChatGPT. L'intégration de ChatGPT, ça a été rapide, ça prend pas beaucoup de temps. L'intégration de Touya, c'est la maison connectée, c'est ça aussi, ça prend ça. Une fois qu'on a intégré cette intelligence artificielle, est-ce qu'on lui donne un corps? On va dire, bah, ça marche sous Windows, ça marche sous Python. C'est surtout ça. Et que Python, c'est une plateforme qui est inter au système d'exploitation. Si les packages existent en Python sur toutes les plateformes, ce code-là, il marche sur toutes les plateformes. Raspberry Pi, Linux, Windows, iOS, c'est du Python. Hein. Donc tant que vous avez un élément pour exécuter Python, ça va tourner sur toutes les plateformes. La question est donc la suivante. Faut-il donner un corps aux intelligences artificielles? Bien, faudrait que ce soit programmé en Python pour qu'il y ait un sens. Eh bien, ça existe. C'est le DJI Robot Master S1. C'est un robot qui est programmable, hein, programmation, Scratch et Python. C'est de la robotique, hein, qui est conçue simplement sur la base de la voiture autonome. Il y a une caméra, comme vous le voyez. Vous voyez que la caméra qui est là. Cette caméra va permettre de télécommander l'appareil. Après, vous pouvez ne pas le télécommander et programmer ses mouvements par avance. Programmer ses mouvements. Bon, on fait du drift, effectivement. Donc, si on voit, il y a un contrôleur intelligent qui est à l'intérieur. Il y a motion controller, c'est-à-dire un contrôleur de la caméra, des mouvements. Heat detector, c'est un détecteur de mouvement, de choc, pour éviter que le véhicule ne se choque. Les moteurs, bon, après blaster, IMU et gimbal, c'est pour jouer, hein, c'est-à-dire les recharges, le chargeur, c'est pour en faire un jouet. Qui tire. Si ce code était développé sur une vraie machine de guerre, ce serait quand même une machine de guerre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, pour l'instant, ça c'est peut-être la part que j'ai oubliée, moi. Alors, la vélocité qui va être calculée bon, par l'enfant, c'est très drôle. On va se retrouver avec la possibilité de faire de la voiture autonome qui détecte les lignes et les mouvements, et détecte les objets, ou tire sur les différents objets, ou on peut lui demander de calculer la distance de l'objet en question, hein, et de disposer d'un micro et d'un haut-parleur pour vous parler et pour entendre ce que vous lui dites, plutôt que de le commander cette fois-ci en termes de manette. Vous pourriez le commander avec un téléphone, ce serait hyper intelligent, ce serait hyper marrant, on est d'accord. Comme vous pourriez éviter cette commande-là et essayer de transformer les commandes en code. Une fois que les commandes sont transformées en code, le code en lui-même, il permet de programmer le mouvement de l'appareil. C'est-à-dire que si vous pouviez lui faire faire un circuit chez vous pour qu'il vérifie que tout est en ordre systématiquement, il le ferait. Hein. S'il faisait un circuit chez vous pour vérifier que vous n'avez pas oublié certains objets, ou pour retrouver certains de vos objets, il le ferait. Vous lui apprendriez par exemple à retrouver vos clés. Si il analyse les différentes images qu'il voit et qu'il trouve les clés sur son chemin, il vous dira où sont les clés. C'est pareil pour le téléphone. Bon, maintenant, il y a d'autres manières de trouver le téléphone. Mais pour les objets que vous aurez besoin de chercher. Hein, parce qu'il est capable de faire de la reconnaissance d'objets. C'est du Python, ça. Hein, la reconnaissance d'objets. Et bon, au-delà du jeu en question, il y a surtout ce challenge de intégrer une intelligence artificielle qui parle à un robot qui se déplace, de manière à pouvoir lui intégrer une intelligence, au moins celle de ChatGPT, parce qu'aujourd'hui c'est accessible, et par le code Python, parce qu'aujourd'hui, bah, moi je pense que je serais capable de le faire facilement. Donc c'est quelque chose à envisager, à créer, c'est un projet à réfléchir. Est-ce qu'on est obligé de le faire avec une interface tactile? Non, je pense pas. Je pense que derrière l'intégration du code en lui-même, si on cherche des informations sur ce petit robot, on va l'avoir. C'est à peu près le même prix partout. On va l'avoir. Donc on va le rentrer en code Python.
Et là, vous allez voir que bon, ben, c'est pas difficile, hein. Voyez, il y a l'intégralité du code Python qui va rentrer. Et bon, on est capable, à la base de ces mouvements-là, de lui créer des mouvements. Okay. Et après lui avoir créé des mouvements, donc bon, c'est du code, je pense, franchement, c'est pas compliqué. Par contre, il a plus de 1000 lignes de code, il a dû s'embêter, monsieur. Faire tourner les LED et changer les couleurs de LED. Alors, on voit du code là-dessus. Et donc, ce code-là, c'est du Python. C'est le même langage que pour l'intelligence artificielle ChatGPT en OpenAPI. Même langage que pour la maison connectée en OpenAPI. Et donc, ça veut dire que si je le dotais d'un microphone et d'un haut-parleur, il serait en réalité ChatGPT et la maison connectée qui se déplace. Ce serait l'interface qui se déplace, qui vous suit, qui est capable de chercher des objets, qui est capable de vous apprendre des choses. Hein. C'est ça qui va être intéressant en soi. Moi, je pense que c'est le projet le plus marrant que je puisse faire. Et bon, après, ça fait cher, c'est vrai, quand on cherche bien. Mais quand on se dit qu'il n'y a qu'un programme, voilà, pour amener à ce type de mouvement, on peut se marrer. On peut lui créer un dessin par terre, un circuit par terre, et envisager ici d'avancer. Donc c'est du code Python réellement. Je pense que tout le monde le reconnaît, hein, avec des while true, qui va permettre ici de s'amuser avec le Robot Master S1. Prends une petite autre vidéo. Vous voyez son code. Puis voilà, il va être contrôlé par du Python, il va être contrôlé par du code pour tourner la tête, pour avancer, pour reculer, pour pouvoir visualiser, pour pouvoir. Je sais pas s'il parle, c'est ça qui bon lui. Je sais pas s'il émet des sons, s'il a des haut-parleurs et s'il a des micros. S'il a des haut-parleurs et qu'il a des micros, il est parfait pour ce que je veux faire parce que je veux lui intégrer réellement une intelligence artificielle. Certains m'ont donné des corps numériques. Moi, je préfère lui donner un corps physique. Parce que mettre une personne qui va être animée par animation numérique, ça m'intéresse absolument pas. Par contre, créer un petit robot, s'il avait l'aspect de R2D2, je pense que personne ne contesterait. Créer un petit robot qui se déplace chez vous et qui vous apprend certaines choses, même un tout petit, hein, même un tout petit tout mignon, je pense que ça a un intérêt quand même. Voilà, dans l'avancée, parce que c'est kitsch, quoi.